I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! Got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Bonsoir tout le monde, émission 5, Jonathan Drapeau à l'appareil, alors j'espère que ça va bien. Je suis en co-animation avec mon ami d'enfance, Benoît Laferrière. Comment ça va, mon Ben? Ouais, mais hein, mon ami d'enfance, c'est aussi bien de le dire. Ça va très bien, et puis je suis bien content de retrouver les internautes, les auditeurs. Gros contenu, grosse soirée, grosse bedaine. Écoute, on va avoir une émission de feu, tu sais, on est dans la partie musique. Et puis, c'est la soirée du 14 juin où on... fait le tirage de... du Battle of the Bands. Le gagnant du tirage se méritera l'album Kill 'Em All de Metallica. Metallica. Donc, on commence tout de suite. Donc, suivez-nous sur les médias sociaux. Facebook, Twitter, YouTube, Spotify. On est partout. Balado, oui, par là. Ouais, c'est ça. Puis, on commence tout de suite avec la première anecdote qui est... c'est une anecdote qui est quand même assez sucrée-salée, hein, comme on peut dire. Ouais, sucrée comme sirop d'érable. Hein. C'est ça. Donc, Insane Clown Posse, notre ami Shaggy Too Dope, l'un des membres fondateurs du groupe Insane Clown Posse. Ben lui, Violent J, c'est ça. C'est ça. Lors de l'occasion de la capsule Shaggy and the Creep Show, Shaggy, dans le fond, là, il s'est cassé un bras, okay, en voulant faire du surf dans une glissade pour enfants. Mais pour vrai, là, il s'est vraiment genre cassé là, violemment là, le bras. Écoutez, c'est assez intense, on dirait... ça, Il a voulu faire comme Jackass un peu. Ouais, mais non, il a pas voulu. Là. C'était, non, mais tu m'as envoyé la vidéo, puis il avait l'air d'un Jackass. On va vous la partager, honnêtement, le bras, il a pété un peu comme une citrouille. Il voulait faire son Johnny Knoxville, son Steve-O. À l'hôpital, puis tout, c'est assez incroyable. Cœur sensible, s'abstenir. C'est ça. D'ailleurs, ICP, ça fait partie de notre enfance. Ben, ouais, moi, comment de fois qu'on écoutait ça dans ton char? Comment de fois tu m'as fait écouter des vidéos? C'est ça. Puis, d'ailleurs, je devrais ouvrir une petite parenthèse. Ça va être tes petites anecdotes. Ah ouais. C'est ça, j'ai l'impression que je me répète, mais ben non. C'est pas grave, on y va comme ça. Donc, t'es fait de même. Yes. Écoutez, il y a 2 ans, Carl-Emmanuel Picard. Carl-Emmanuel Picard, dans le fond, c'est... l'organisateur, tu m'as déjà parlé. L'organisateur de l'Anti. Et puis, il a été manager de des bands comme Dance or Redance à l'époque où il figurait en première partie de Metallica sur les plaines d'Abraham lors du Festival d'été de Québec. Et puis, dans le fond... quand ils sont venus en 2011, dans le fond. Oui, c'est ça. Quand Emmanuel a fait des grandes choses, puis avait organisé un événement de ICP à Québec... il y avait aussi un événement de ICP à Montréal. OK. Puis, le show, là, ça arrêtait genre jump-pack, là. Ben, j'imagine. T'sais, la première partie, c'était genre BRH, tu sais, Brish, là, Éric Brisson, là, de Lévis. Oui, on le connaît. Okay. Salut, Éric, en passant. Ouais. Puis Black Tabou, man. T'imagines-tu comment ça arrêtait? Ça arrêtait débile, moi. Ouais, c'est ça. Ça arrêtait complètement débile. Puis, c'est ça, puis... il y avait de plus en plus quelque chose de gros derrière ça. J'avais contacté un des frères barbus. Ça te fait rire, je te vois, tu souris. Non, ben... Le frère barbu, en fait, c'est lui qui est derrière l'émission Burn the Beat sur YouTube. Et il est en collaboration avec 96.9 et les productions à la Martinière, bref. Ah, oh, ok, là, tu m'éclaircis un petit peu plus. C'est quelque chose de très familial, très gros. Ils ont engagé des Matt Child, puis tu sais, des gros rappers là, de renommée. Puis, dans le fond, mon anecdote est simple, c'est que dans le fond, ICP ont cancellé leur show à Québec sans que Carl-Emmanuel Picard soit au courant. Ils ont choqué à la dernière minute. Ouais, c'est ça. C'est le fun. Puis Carl-Emmanuel était super, super smart de la patte, c'est qu'il a pris la peine de m'appeler pour me dire « Hey Joe, je vais t'expliquer pourquoi, genre, qu'est-ce qui se passe. » Quelle est la raison? Ça n'a rien à voir avec le manque de billets qui a été vendu ou quoi que ce soit. Il m'expliquait que, dans le fond, il y a un des deux
gars des ICP, qui faisait comme des crises d'anxiété ou de bipolarité. Ou ah, ok, des problèmes psychiatriques. Il aurait carrément publié sur les médias sociaux qu'il cancellait le show, sans même que le gérant de ICP, qui n'a aucune emprise en passant sur ICP, fasse le message à Carl Emmanuel à Québec. Fait que là, lui, il capotait parce qu'il a vu sur les médias sociaux, comme toutes les fans, que le show était cancellé. Fait que imagine comment le gars devait capoter. Ils ont un gérant, eux autres, mais j'ai toujours pensé qu'ils se géraient eux-mêmes, sérieusement. Là. Ouais, rendu là. Ils ont pas l'air bourrés, comme ça, ces gars-là. Il n'y a rien à leurs épreuves. Là. Ben non, les affaires que tu m'as fait écouter dans le temps, c'est comme des jackass. Bon, moi, je pense que. Même pire des fois. Là. Il doit être là juste par eux, parce qu'honnêtement... C'est un signe de contrat, là. Peut-être de cochon, puis... Ouais, c'est pas pour rien que les gars ont pas toffé à WWF, puis à la... WCW. Ils ont un gros égo, disons. Tu veux parler de lutte, tu parlais de la WWF, de la WCW. Ils ont-ils encore le fédération, ces gars-là? C'est ça la question que... Ben, en fait, comme on a discuté tantôt ensemble... Ils faisaient venir Sabu puis Vampiro à l'époque. Insane Clown Posse organise leur espèce de Woodstock, tu sais. Ouais. A Gathering of the Juggalos. Oui, bien sûr. C'est sur un grand terrain vaste, puis c'est plusieurs jours d'événements. Un espèce de journée, dans le fond, c'est du camping sauvage. Il y a une journée, je pense, qu'il y a du paintball. Une journée où. C'est de la musique rap, puis une autre journée, c'est de la lutte, ça doit être sûr. C'est ça, exactement. Il y a un concert de ICP. Puis il y a le fameux JCW. Juggalo Championship à l'époque, ça s'appelait comme ouais, ça. Ouais, je pense que c'est rendu Championship. Ouais, je pense, mais je suis pas sûr. Genre, mais bref, je pense que c'est rendu annuellement parce que ça devient un petit peu comme leur WrestleMania du Gathering of the Juggalos. C'est sûr que les gars sont tellement occupés, ils ont peut-être pas le temps de faire toujours de la lutte puis faire toujours. Ils doivent faire de la route un peu, quoi qu'avec la COVID. C'est ça. Puis revenons un petit peu à Carl-Emmanuel Picard. Ouais, vas-y. On fait tout simplement lui dire un petit shout-out, puis ça n'a pas dû être facile avec le COVID. Écoute, encourager local, l'anti sont là, ils font des super de bons spectacles. Il est derrière tout ça. Allez voir sa page Facebook, ça vaut la peine. Fait qu'on le salue. Yes. Est-ce que tu devrais enchaîner avec la prochaine nouvelle concernant une tournée qui s'en vient prochainement d'un groupe nord-américain? Un groupe européen. Européen, hein? La formation allemande Rammstein, mesdames et messieurs. Si tu suis. Ben oui, que je suis. Voyons, je suis pas dans la lune. OK, là, on va vous parler de la fameuse liste des shows de leur tournée nord-américaine qui commencera du 21 août de cette année et qui se terminera du 4 octobre de cette année, bien sûr. Puis, il faut mentionner aussi que le groupe a également un nouveau vidéoclip qu'on mettra éventuellement sur... Oui, puis on va en parler juste après. Oui, il n'y a pas de trouble. Okay. Fait que là, je vous donne les dates avec la place à propos. Le 21 août, la formation se produira à Montréal, au Parc Jean-Drapeau. Le 27 août, ce sera à Minneapolis, Minnesota, au US Bank Stadium. Le 31 août, ce sera à Philadelphie, Pennsylvania, au Lincoln Financial Field. Le 3 septembre, ce sera à Chicago, Illinois, au Soldier Field, le stade des Bears de Chicago, pour ceux-là qui suivent le sport. Ensuite, ce sera le 6 septembre à East Rutherford de New Jersey, au MetLife Stadium, à l'endroit où c'est qu'il y a eu lieu WrestleMania 29 et WrestleMania 35. Ensuite, ce sera le 9 septembre à Foxborough, Massachusetts, au Gillette Stadium, le stade des Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour les fans de football. Après ça, il y a deux shows à Los Angeles, puis il y a trois shows au Mexique. Ouais, puis il y a un show au Texas, à San Antonio, la ville de Shawn Michaels. Super. À la Modome. Yes. Fait que là, tu veux parler du vidéoclip? Yes, c'est ça. Plusieurs disent, j'ai vu passer certains de nos fans qui disaient... le nouveau vidéoclip de Rammstein, c'est sensationnel, c'est théâtral, c'est un chef-d'œuvre, etc. Oui, c'est un chef-d'œuvre. Mais je ne l'ai pas vu encore. Il est vraiment super bien fait. Par contre, les propos, moi, c'est mon opinion. Oh, vas-y. Ils me rejoignent plus. Tu comprends l'allemand, toi? Moi, ben, en fait, un petit peu, mais je fais toujours des recherches quand j'écoute de la musique. Ok, tu as fait ta Google Traduction sur moi. Qu'est-ce qu'il dit, etc. Et la dernière chanson, peut-être que tu pourras pouvoir un petit peu partager mon opinion, mais je suis un peu déçu de Rammstein. Bref, la chanson veut dire « Je déteste les enfants ». Ah, ben là, rendu là. Non, c'est ça. J'ai trouvé ça un petit peu tough. Puis si on lit un petit peu entre les lignes, ben tu sais, c'est pas très très gentil. Puis dans la vidéo, tu sais, on voit des enfants qui se frappent.
J'ai trouvé ça difficile. Surtout quand, quand t'as des enfants, tu sais. Moi, ça me... Ouais, ben là, toi, t'as une petite fille, c'est ouais, ça? Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, hein, j'ai trouvé ça un petit peu dur à digérer. Je pense que n'importe quel autre sujet aurait pu faire l'affaire. Ce sujet-là, il vient me chercher personnellement. Puis, j'ai un petit peu de la misère avec ça. Il y a tellement des sujets comme le gouvernement puis des trucs qui pourraient aller... qui aurait pu aller gratter là au lieu de gratter sur des enfants. C'est juste, c'est ça. Fait que dans le fond, une maman ou un papa qui va écouter ça va être bouleversé autrement. Ouais, dit. Je trouve ça un petit peu... c'est lourd personnellement. Mais bon, ça c'est mon opinion puis je vous la partage. Lors du dernier podcast, les amis, on vous a parlé de la formation Megadeth et d'un fameux scandale sexuel impliquant l'ancien bassiste David Ellefson. Eh bien, étant donné que les accusations sont trop graves... le chanteur et le leader, Dave Mustaine, a décidé de le congédier il y a environ 15 jours. Fait que j'imagine qu'un petit peu, suite à notre dernier podcast, il a dû se concrétiser des choses pour mettre fin au contrat d'un membre d'un groupe important comme Megadeth. Ou tout simplement, Mustaine, il veut pas de controverse dans... C'est ça. D'ailleurs, on vous a posé la question il y a environ une semaine sur Facebook. Je vous invite à y répondre, la partager, commenter, n'importe quoi. Est-ce que David Ellefson mériterait une seconde chance avec le band? Du moins, mec, la poussière soit retombée. Je vous invite à répondre sur notre page Facebook. Ah, c'est sûr, tu sais, mais... Chacun a son opinion c'est là-dessus. C'est le milieu artistique, tu sais. Là, je vais ouvrir une parenthèse. Bon, vas-y. Ça, non, c'est bien correct. C'est quand on pense à Joël Legendre, le maton, là. Ah, oh, mais sûr. Suite au ce qui s'est passé, le scandale, on l'a... Ben, c'est une erreur de parcours, le gars, là. C'est carrément sur le Parlement... ce qu'elle était. T'sais. Ah, ça c'est sûr. Je pense à Eric Salvay aussi, tu sais. Ouais, Gilbert Rozon. Mais bref, il y a toujours des répercussions quand il y a des trucs qu'on fait dans la vie. C'est important de penser avant d'agir. Ouais, ça c'est bien sûr. On en fait bien des conneries. C'est avant de faire la niaiserie qu'il faut que tu penses à ta carrière. C'est pas après l'avoir fait, dans le fond. Exactement. Il faut toujours penser à ce qu'on fait dans le milieu artistique. Ouais. Du 23 au 25 juin 2022, il y aura, dans le fond, un festival de musique punk intitulé Girard on Air. Ah, et boy, ça se peut que j'ai de la misère. Eschelstein aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, ok, parfait. Oui. L'événement de 3 jours mettra en vedette, dans le fond, The Eye, The Offspring, Bad Religion, Rise Against. Hey, c'est un mec. Ça promet. Ça promet. Hey, c'est tous des groupes mythiques des années 80-90. Ah, ça va brosser pas mal. Bad Religion. Tous ceux-là qui allaient à Polyvalente au cégep, ils ont tous écouté ça. Tous nos chumés de la Maison des Jeunes, ils connaissent tout ça, ces groupes-là. Mais c'est vrai pareil. Ben oui. Du 7 au 10 octobre prochain, à Sacramento, Discovery Park, il y aura un festival de musique nommé Aftershock. Il met en vedette Metallica, The Original Misfit, Limp Bizkit et plusieurs autres. Ça aussi, ça promet! Ouais, c'est sûr. J'espère honnêtement que le Moses de COVID va finir par partir et oui. Que tous ces beaux événements-là vont venir, ça va faire du bien aux troupes. Ben moi, je pense là, que le fait que ces groupes-là étaient en cabanouille, ils ont fait probablement des shows à huis clos. Un événement de même qui regroupe des groupes de même, là, que ce soit le show punk qu'on parlait de juste avant, ou bien Metallica et Limp Bizkit, ils vont tous donner. Ah, c'est sûr. Ils vont tous donner puis ils vont... peut-être pas faire oublier la COVID. Peut-être pas faire oublier la COVID, mais du moins fesser sa COVID. Ah, c'est sûr. Pour l'année et demie qui ont manqué. Exact. Du 16 au 19 septembre, c'est le Riot Fest au Douglas Park de Chicago. On parlait de Lollapalooza qui se produisait. Ben oui. Chicago ont d'autres festivals, c'est bien de le mentionner. Ouais, bien sûr. Avec des groupes comme Nine Inch Nails, Smashing Pumpkins, Faith No More et plusieurs autres. Ça promet, les amis. Mais ça. Donc, on va parler ici d'un de tes groupes fétiches, mon Ben. Ouais, tu fais bien de dire que c'est un groupe fétiche. La formation finlandaise Stratovarius, mes amis. Cette formation fera partie du Västerås Rockfest le 9 octobre 2021 en Suède. La programmation inclut également les groupes suivants. Peut-être que les groupes vous diront rien. Dites-vous que c'est des groupes locaux de la Suède. Mais je vais vous les nommer quand même. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Des groupes comme Adept, Raised Fist, Smash Into Pieces, Lilazister, Himenens, Corroded, Thunder Mother, Days of Jupiter, Kill the Corn, Nog Yarn, Apoc et Scarlet. C'est tous des groupes suédois dans le fond. C'est fou comment... Il y a juste Stratovarius qui est finlandais. C'est bizarre, hein? C'est fou comment... Juste par la lecture des bandes qui sont là, tu peux voir qu'il y a une certaine influence. Tu sais, comme Smash Into Pieces. Oh, exactement. Ça a pensé à Papa Roach.
Smashing Pumpkins, peut-être ouais, aussi. Tu sais, j'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup d'influence. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, on a publié une vidéo d'un groupe qui s'appelle Chaosium. Oh, oui. C'est ça. Puis, prenez le temps d'aller le visionner. Vous allez voir que le groupe a une énorme influence, une inspiration. Ça ressemble à Korn mélangé avec Deftone un peu. Exact. Puis le chanteur qui s'appelle C.K. Smile a la même voix que Jonathan Davis, de Korn. Donc, c'est fou. C'est assez intense. Toujours du côté scandinave, les amis. Mon groupe préféré de toujours que je suis depuis Belle Urette. Vous avez vu combien de fois déjà? Moi, je les ai vus deux fois en show. Mais c'est fou pareil, c'est des moments inoubliables. Ils ne viennent pas souvent à Québec. Ouais, mais quand ils viennent, j'essaye. En tout cas, du moins, j'ai été voir deux fois, je suis comblé. J'ai tous les albums et tout. S'ils reviennent. Ah, ouais, ça pourrait. Sûrement. Alors, juste entrevue, là. Et ça, ça c'est sûr, mais ça prend des contacts pour ça. Alors, vous avez deviné, je parle de mon groupe fétiche, Sonate Arctica. Ce groupe-là, ils ont annoncé qu'ils vont sortir un album acoustique intitulé Acoustic Adventures Volume 1 en octobre prochain. Tellement de bon, là. Et qu'un second album, il va y avoir un deuxième album acoustique en plus de ça qui verra le jour quelque part en 2022, mais j'ai pas le mois encore, là. Dans ma recherche, j'ai pas marqué le mois, là, encore. Tu vas être d'accord avec moi, Sonate Arctica, leur puissance, c'est la qualité de leur son. Ah ouais, c'est mélodique, c'est beau, c'est pur. C'est fou, là, tu sais, tous les albums, là, c'est riche. Tu vois que, genre, ils n'ont pas enregistré ça dans un sous-sol crasseux avec l'équipement crasseuse. Ils ont pris le temps d'harmoniser toute leur affaire. Tout est bien pensé. Puis t'écoutes les paroles de cette band-là, c'est un message sain. Là. C'est pas des affaires de tuer ta mère puis d'étrangler un bébé dans ces choses. Là. Ben non, c'est pas du Rammstein. Non, mais c'est ça. C'est un message sain. Là. Des chansons d'amour, des chansons de. Oh, ouais. C'est beaucoup de métaphores, beaucoup de poèmes. Exact. Un peu. Sans trop varier, c'est un petit peu la même chose aussi. Vraiment. C'est pas mal les deux top groupes. Les meilleurs en power metal là, sont. Nightwish aussi. En Finlande, en tout cas, c'est pas mal les trois tops. C'est les Hulk Hogan de la Finlande. Ah, oh, ouais, mais hein. Là, il va se passer de quoi du 14 au 17 juillet prochain à Cadotte, au Wisconsin? Veux-tu en parler un peu? Yes. Donc, comme tu disais, dans le fond, le Wisconsin. Ouais. Le Rockfest est intitulé Where We Just Rock, avec une vedette. En fait, il y a plus qu'une vedette. Oh non, mais c'est... On a compris. Rob Zombie. L'acteur, producteur et chanteur Rob Zombie, Stain, Limp Bizkit et Korn, et plusieurs autres bien sûr, vont prendre part de la scène du 14 au 17 juillet. Qu'est-ce qu'il a fait Rob Zombie il y a à peu près une vingtaine d'années? Fouille un peu dans ta petite tête. Ben, il a fait Living Halloween. Non! Il a fait Never Gonna Stop Me, c'était la tune de Edge dans le temps. Voyons donc, oui. Fais-moi pas répéter, on te claque ça à la gueule. La formation LA Rats, qui est composée de Rob Zombie, Nikki Sixx, John Five et Tommy Kouferos, ont sorti leur premier single intitulé I've Been Here Everywhere. Cette chanson est une reprise car celui qui l'a composée est le chanteur australien Jeff Mack. Elle fut reprise aussi par Johnny Cash. Walk the Line. Non, c'est pas la même tune. Chou-chou. Ok, là, tu veux que je parle d'Evanescence, je gage? Ben oui, vas-y donc, ma grosse. Evanescence et Al Storm feront une tournée d'une quinzaine de spectacles entre le 5 novembre et le 18 décembre prochain. Ils partent la tournée sur la côte ouest pour s'en venir vers la côte est. D'un océan à l'autre, qu'on pourrait dire, comme au Canada. Sauf que là, c'est d'une côte à l'autre. C'est malade. Ben, Evanescence, c'est... Ça passe les années, hein. Ah, mais c'est ça reste toujours mythique pareil, hein. C'est... Ma conjointe, c'est un de ses groupes préférés. Ah, puis je la comprends. C'est assez impressionnant. Tu sais, je te parlais de Nightwish l'autre fois. Je suis pas mal certain que Amy Lee, la chanteuse, s'est inspirée de Tarja Turunen, l'ancienne chanteuse de Nightwish. Parce qu'elle a inspiré beaucoup de... Tout le monde s'influence, tu sais, là-dedans, tu sais. Je pense à les Motley Crue, les Kiss, ils sont tous maquillés pareil. Non, mais c'est vrai, tu sais, ils ont toute une influence à quelque part, tu sais. Marilyn Manson, il n'a rien inventé de son maquillage, là. Ça vient de Motley Crue, là, tu sais. Ensuite de ça, en parlant des groupes fuckés, là, on va en parler un. Des farfelus, ah ouais, moi. Le farfelu d'Ozzy Osbourne, tu t'en parles ou j'en parle?
Vas-y, mon homme. Ah, sacrifice. Bon, tu mets la commande dans les mains, mais c'était bien gentil. J'espère juste qu'il sniffera pas sa piste et qu'il sniffera pas des fourmis cette fois-là. Mais écoutez bien ça. Ozzy Osbourne est présentement en studio avec le producteur et musicien Andrew Watt en train de rebricoler son album de 2020 intitulé Ordinary Man en mettant deux ou trois autres chansons, dont une se nommerait Patient Number 9. Cool. Récemment, on parlait de Metallica, ils ont partagé sur les médias sociaux une performance live de la chanson où... c'est une vieille chanson, en fait. Oh, oui, de le 30 ans. Oui, Wherever I May Roam, qui apparaît sur le Black Album de 91. Puis il y a deux hypothèses, dans le fond, qui viendraient... Metallica sortirait peut-être un nouvel album, mais remasterisé pour ses 30 ans cette année... On parle bien sûr de l'album, puisqu'il y a des classes un album. Dans l'industrie. Parlons maintenant. Ou ça se peut, l'autre hypothèse, ça se peut. Excuse-moi. Peut-être qu'ils vont sortir un tout nouvel album aussi. Ça se peut. Est-ce qu'il y a du Metallica sortir du bon stuff? Ah, mais ça, les Metallica, d'après moi, ils vont toujours toffer Metallica. Ouais, ouais. J'espère qu'ils ne sortiront pas un album. Il y avait un Saint Anger, là. Ben, c'est la seule affaire qui est bon, c'est Santanger. Ouais, mais le reste d'album. La tonne de SummerSlam 2003, tu parles. Ouais, mais tu sais, l'album était pas bon. Parlons maintenant de Tragically Hip. A sorti son premier album le 21 mai dernier. Ouais, c'est ça. Il est intitulé. Ça doit être 3 semaines. Ouais, mais Tragically Hip, ils ont déjà des albums. Ah, ben, ça devait être son dernier album. Son dernier album. Hein. Ah, j'ai fait une faute d'affaire, excuse-moi. C'est pas grave. Il est intitulé. Sasakedelphia. C'est un mélange de Saskatchewan et Philadelphie. Ouais, c'est ça fait penser. Saskatchewan! The streets of Philadelphia. Vous écouterez le film Philadelphia avec Tom Hanks et Denzel Washington, c'est très bon. C'est ça, à ne pas confondre avec le fromage Philadelphia. Non, sûrement pas! On va enchaîner avec une nouvelle qui aura lieu du 24 au 26 septembre 2021. Il y aura la 22e édition du Punk Rock Bowling. C'est un événement musical qui implique les groupes comme NoFX, Circle Jerks, Devo et plusieurs autres. Ça aussi, ça promet. Ça, puis dans le fond, l'événement, c'est qu'ils jouent au gros ski du 24 au 26 septembre, c'est ça? Ouais, ben c'est pas moi, c'est le surnom de la place. Là. Ouais, j'imagine. C'est comme New York qui appelle ça le Big Apple, mais c'est pas nécessairement parce qu'ils mangent des pommes. Là. Non, c'est sûr. Du 18 février au 24 juin 2022. Il y aura une tournée canado-américaine de Justin Bieber. Yes, intitulé Justice World Tour. Il passe à Montréal, je crois. J'ai pas la date exacte, mais... Ouais, tout canado-américain, ouais. Pour ce jeune Canadien qui va faire une tournée de 52 spectacles. Alors, vous nous avez écouté au début? Vous savez ce qu'on parle, là? On parle du concours Battle of the Band et c'est le moment de dévoiler le tirage du gagnant de l'album Kill 'Em All de Metallica, mes amis! Donc, le gagnant est Denis Bro. Félicitations au gagnant! Félicitations, Denis. On va prendre contact avec toi, puis on va prendre ton adresse. Tes coordonnées, ouais, c'est va, ça. Dans le fond, te shipper ça chez toi. Donc, Denis Brosse mérite un album vinyle de Metallica. Intitulé Kill 'Em All. Kill 'Em All. Donc, félicitations. Félicitations. Continue de nous suivre sur les médias sociaux. Continue de nous encourager, Denis. Exactement. Partager, liker, aimer, faire des publications, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, on est là. Alors, les amis, il y a environ, je dirais à peu près un mois, c'est-à-dire le 17 mai dernier, lors de notre troisième WrestleRock podcast, nous avons parlé d'accusations d'agression sexuelle contre Marilyn Manson, quelque chose de très controversé. Eh bien, voilà encore une controverse impliquant ce... je sais pas si je devrais dire ce chanteur déchu ou ce chanteur controversé. Maintenant, c'est rendu la police du New Hampshire, qui est en Nouvelle-Angleterre, bien sûr, qui a publié un mandat d'arrêt contre le chanteur pour deux faits d'agression, ont dévoilé certaines sources. Les présumés faits impliquant un vidéaste se seraient produits en août 2019, et un premier mandat avait été publié 2 mois plus tard, mais Manson ne se serait pas présenté. Anthony Burpee, le nom du chef de la police de Guildford, en New Hampshire,
a refusé d'en parler davantage, mais l'avocat du chanteur, Maître Howard King, a mentionné qu'un photographe avait voulu avoir 35 000 $ en dommages et intérêts après qu'un petit peu de salive ait touché son bras. Apparemment qu'il aurait craché en chantant. Là. Ah, ça se peut, hein, tu sais, c'est un personnage assez controversé. Pour préciser, c'est ça, le photographe en question, qu'on n'a pas le nom, parce que probablement qu'il a voulu garder l'anonymat et on le comprend. Il aurait été dans le champ de tir d'un crachat lancé par le chanteur sur scène. Lorsque nous avons demandé des preuves des plus méfaits, nous n'avons plus de réponse, ajoute-t-il. On parle toujours de l'avocat. Et selon King, ces accusations sont insignifiantes et le camp de l'artiste reste dédié à coopérer avec les autorités comme nous l'avons toujours fait. Le policier en chef Burpee, quant à lui, explique que la police a décidé de rendre public le mandat d'arrêt afin que le musicien règle ses affaires pour que lui, comme nous, puissions aller de l'avant. Une deuxième affaire vise encore le chanteur Marilyn Manson. Ça n'a pas fini la controverse sur ce fameux chanteur. Figurez-vous qu'une autre de ses ex-conjointes l'accuse de viol et entame des démarches judiciaires. La femme dont le nom n'est pas mentionné indique que Manson l'a forcée de regarder un film amateur intitulé Groupie, qui laisse croire que le rocker a déjà tué une de ses fans. L'accusatrice aurait commencé à sortir avec Marilyn Manson en 2011. Est-il possible de lire dans des documents obtenus par TMZ? Elle dit également que la relation qu'elle avait avec le chanteur a pris une toute autre tournure lorsqu'il lui a montré la vidéo qu'il garderait sous clé dans un coffre-fort chez lui. Manson lui aurait fait croire que le film fut tourné en 1996 après un concert au Hollywood Bowl, selon ce qu'elle dit. La vidéo met en scène des actes sexuels et d'humiliation, dont le chanteur qui force une femme à boire l'urine d'un membre du groupe, d'après ses dires. Elle dit que la vidéo l'a tellement bouleversée qu'elle craignait pour sa vie. L'accusatrice a expliqué avoir été violée par Manson alors qu'elle lui rendait les clés de sa maison. Elle dit aussi que le chanteur a menacé de la tuer. Hey boy, ça veut dire que c'est grave. Ah, d'après moi, on verra pas Marilyn Manson de sitôt, là, tu sais, s'il y a des accusations de meurtre, là. C'est quoi, c'est au premier degré, Premier degré, deuxième degré, tout dépendant. Ouais, c'est intense, là. La femme anonyme poursuit l'artiste pour dommages et intérêts et demande une déclaration admettant que sa conduite était contraire à la loi. Une source près du chanteur aurait par ailleurs indiqué à TMZ, dans le fond, le site de nouvelles américaines, que le prétendu film amateur est un fait court-métrage qui n'a jamais vraiment vu le jour. En plus de cette nouvelle accusation, le chanteur a aussi été accusé par son ancien assistant et actrice de la série Game of Thrones, Esme Bianco, son ex-fiancé, on en a déjà parlé, Evan Rachel-Wood. Ensuite de ça... L'accusé d'agression sexuelle, ouais, c'est ça, dans le podcast du 17 mois, on en avait parlé. Donc, voilà. Donc, c'est ici, dans le fond, que... La semaine dernière, on vous a posé la question, quelle est votre opinion à propos de cette affaire? Parce qu'éventuellement, il va être accusé, Manson. Pensez-vous que Manson est coupable ou non coupable? On vous invite à répondre à la question. Avec tout le texte, toute l'information, il y a beaucoup, beaucoup de... Il y a beaucoup de faits, puis il y a beaucoup de spécifications. Tu sais, il y a beaucoup de... Comment qu'on dit ça? Pas des trucs techniques, mais je cherche mes mots, mais c'est très détaillé. C'est médiatisé beaucoup. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que les faits sont très détaillés. Ça va être difficile de... La couronne a tout ce qu'il faut pour le crissant dedans pour Québécois. Oh, excusez-moi le langage. Pareil, et voilà. Donc, en parlant de côté judiciaire, eh bien, figurez-vous que la saga Britney Spears et son père continuent de faire couler beaucoup d'encre. Effectivement, dans le fond, le père de cette dernière, nommé James Pearl Spears, aurait un document dans lequel il affirme que sa fille est atteinte de démence. Il faut se rappeler qu'elle est sous la tutelle de son père depuis 2008. Cela fait maintenant 13 ans à la suite d'une dépression qu'elle a fait. Là, Joe, là, c'est-tu... Ils vont sortir une nouvelle chanson, probablement. Probablement. Oops, he did it again. He runs his daughter. Elle veut se libérer de son père, mais avec tous ces faits-là envers elle, elle va-tu réussir? Disons que c'est pas vraiment à sa faveur, mais elle a les moyens de se payer un bon avocat, c'est sûr. Mais
son père lâchera pas le morceau aussi facilement. Ouais, c'est ça. Toujours côté judiciaire, figurez-vous que Vicky Cornell, la veuve de Chris Cornell, en est venue à un accord avec le docteur Robert Copeland, qu'elle soupçonnait jusqu'ici d'avoir trop prescrit au chanteur des médicaments qui l'auraient poussé dans le fond à se suicider en mai 2017 à Détroit dans sa chambre d'hôtel après son dernier spectacle. Son dernier spectacle, exactement. C'est ça. Dans sa plainte, elle accuse le médecin d'avoir prescrit trop de doses, 940 doses d'anxiolytiques et à savoir du lorazepam et de l'oxycodone. Je ne sais pas s'il y a des médecins qui nous écoutent. Au chanteur de Soundgarden, Audioslave, durant 20 mois. Oh, Temple of Dog aussi, j'ai oublié de le mentionner. L'avoir examiné. C'est intense, pareil. Ça me fait penser, tu sais à quoi ça me fait penser? Le fameux scandale de Michael Jackson. Ah oui, son docteur. Son docteur, il prescrivait des affaires en dessous de la table, puis je me souviens pas c'est quoi. Propofol, Profamol? Ah, je sais pas. Parce que un médecin pourrait nous répondre. Il prenait ça avant de se coucher. Dans le fond, là, c'était aussi fort que quand tu te fais opérer, quand il t'endort. Ouais, c'est comme de l'oxygène, mais paf. Ouais, c'est ça. La veuve, Mrs. Cornell, maintient que le docteur n'a pas su aider son défunt mari, alors même qu'il savait que ce dernier présentait une dépendance à ses médicaments. Selon elle, il ne l'aurait jamais prévenu des dangers et des effets secondaires liés à ses substances au moment de sa mort. M. Cornell avait tout pour être heureux et prévoyait de futurs enregistrements, des concerts et de continuer à travailler en tant qu'activiste caritatif, est-il mentionné dans la plainte. Activiste caritatif parce que lui et sa veuve avaient créé une genre de fondation pour venir en aide aux petits-enfants, okay, des victimes d'agressions, je ne sais pas si sexuelles ou de bagarres, des petits-enfants qui sont maltraités, là, maintenant. Là, je suis rendu où? Est-il mentionné dans la plainte? En réponse, Robert Coblin, le docteur en question, affirmait quant à lui que Chris Cornell était tout à fait conscient et qu'il savait ce qu'il faisait par rapport aux risques liés aux anxiolytiques qu'il lui a prescrits. Et tandis que Vicky Cornell poursuivait le docteur pour des dommages et intérêts d'un montant non spécifié, il semblerait qu'ils aient trouvé un accord en avril dernier, un accord à l'amiable. Une audience devant le tribunal a été fixée au 26 juillet prochain pour mettre fin à l'affaire. Puis moi, j'aime autant dire que ça faisait 4 ans que Chris Cornell était décédé, puis je me suis comme... à peu près 2 semaines, je me suis tapé un petit festival Chris Cornell. Là. J'ai acheté un album d'Audioslave de Soundgarden. J'écoute ça dans mon char dans le prélard. C'est bon, Soundgarden. Ah, moi, c'est un chanteur fétiche. Ah, ouais, vraiment. Puis je vais sensibiliser le monde là, parce que l'affaire de Chris Cornell, ça a toujours passé pour un suicide. Il y a des lignes québécoises pour la prévention du suicide. Si vous êtes dans le besoin, appelez. Je vais vous mentionner la fameuse liste. Là. T'as le www.aqps.info. La ligne québécoise de prévention du suicide, ouais, c'est ça. Il y a le 1-866-APPEL. Ouais, 277-3553. T'as le Jeunesse J'écoute au www.jeunessejecoute.ca. Il y a le 1-800-668-6868. Il y a teljeune.com au 1-800-263-2266. Yes, yes, yes. Et pour finir sur une belle note, le fameux film de Batman avec Robert Pattinson qui a été interrompu à cause de la COVID sortira en mars 2022. Et puis tant qu'à l'être dans la musique et showbiz, j'ai su quelque chose récemment. Ouais, vas-y. Il semblerait que The Rock est en train de travailler avec Disney pour sortir une émission en lien à l'historique des attractions dans les parcs de Disney. Ah, Walt Disney World puis Disneyland? Ah, t'as la barnouche! Ça va être quelque chose de le fun. Donc, c'est ici que se termine notre émission 5 sur la lutte. Pas sur la lutte, désolé, sur la musique. Restez à l'écoute, la partie lutte suit dans quelques instants. Soyez-y, l'action ne manquera pas. À tantôt. I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! A spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office."